Est-ce qu'il y a une différence entre allaitement mixte et allaitement partiel? Mais c'est justement ce qu'on va voir rapidement dans cette vidéo. L'allaitement mixte, c'est tout simplement le fait de concilier un allaitement avec votre lait, donc avec le lait maternel, et un autre mode d'alimentation. Donc si vous allaitez votre bébé, que vous lui donnez votre lait maternel, si en parallèle à ça, vous donnez aussi du lait industriel à votre bébé, on parle d'allaitement mixte. Et c'est la même chose si vous nourrissez votre bébé avec votre lait maternel et qu'en parallèle, vous lui donnez des aliments parce que vous avez commencé la diversification alimentaire, on parle d'allaitement mixte. Ce qui est important, c'est la notion de dire que vous allaitez votre bébé avec votre lait, mais aussi avec autre chose, que ce soit des céréales, que ce soit du lait industriel ou un autre mode d'alimentation que votre allaitement, votre lait maternel uniquement, auquel cas on parlera d'allaitement exclusif. Alors maintenant, quelle est la différence entre l'allaitement mixte et l'allaitement partiel? L'allaitement partiel, c'est un peu comme l'allaitement mixte. Il y a deux modes d'alimentation de votre bébé, parmi lesquels votre lait maternel. Et la différence est que lors de l'allaitement partiel, en parallèle au complément que vous allez donner à votre bébé, vous allez l'allaiter à la demande. Autrement dit, vous allez lui donner le sein ou lui donner du lait maternel aussi souvent qu'il le souhaite, en parallèle au deuxième mode d'alimentation. Alors vous voyez, en l'espace de 2 minutes, on a vu trois types d'allaitement, l'allaitement exclusif, l'allaitement mixte et l'allaitement partiel, et on n'a pas pris en compte du tout le fait de donner le sein à son bébé ou de tirer son lait pour lui donner son lait. C'est pas ça qui est important, c'est vraiment ce que votre bébé va recevoir et c'est ça qui va faire la distinction entre les trois types d'allaitement. C'est ce que je vous explique dans mon livre Prépare l'allaitement de tes rêves qui vous aidera beaucoup si vous êtes encore enceinte et que vous souhaitez préparer votre allaitement. Je vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour bien démarrer son allaitement, mais surtout pour préparer un allaitement dans les meilleures conditions. Donc je vous aide à préparer votre projet de naissance pour qu'il mette ensemble un maximum de conditions favorables au bon démarrage de votre allaitement. Je vous mettrai un lien juste en dessous de la vidéo pour que vous puissiez voir le sommaire détaillé du livre. Et puis si vous vous posez plein de questions sur l'allaitement, je vous invite à parcourir la chaîne car on voit ensemble plein de choses sur l'allaitement, que ce soit la préparation de l'allaitement, le démarrage de l'allaitement ou la poursuite de l'allaitement pour vous aider à vivre le meilleur allaitement possible.